Hello tout le monde, ici Gamers King pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Tales of Berseria. J'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Comme d'habitude, dans le dernier épisode, on a passé les portes maritimes et on est rendu dans cette petite ville qui s'appelle, je sais pas si c'est écrit quelque part. Hein. Sûrement dans le truc de sauvegarde. Donc on va aller voir ça. Ah, au port Zekon. Donc voilà, on est rendu ici. Il me semble qu'il faut que je parle à lui. Pour s'il y a un plan pour sortir. Parce qu'il me semble que le port, il est un petit peu fermé à cause, comme d'habitude, de la baie, il me semble. Et tout ça... Attends, écoutez ce que Benwick a à dire. Ok, on va l'écouter. Eisen told us to come see you. What's all this about a scouting ship? On va faire un navire de reconnaissance, c'est ça. Oh, let me explain. Beyond the reaches of our kingdom lie vast open oceans we call the Outer Seas. And you're going to explore them? What for? To make a map of the whole world, of course. A map of the whole world. That's right. Ifrit's pirates have many ambitions, one of which is the creation of a complete map describing the whole world. In fact, the Von Eltias already sailed all the way to the far continent for that very reason. That's amazing. You guys sure dream big. I still don't get it. Yeah, me neither. A map of a bunch of places nobody cares about? Big deal. Well, regardless, if we're going to find anything in the vast waters, we'll need a lot of luck. We'd like to borrow some of yours. And just how do you plan on doing that? I want you to use your gut instincts to tell us where to look. In exchange, the Von Eltia will be at your service. And you can keep anything we find in our explorations. You'll be able to assign us new orders from any location by using a kind of messenger bird called a Sylphjay. Who knows? We might even come across some good treasure. Or maybe some rare food. Or brand new recipes. Hmm. That's a lot of treasure you could find. Doesn't sound bad to me. It won't take much of our time, and besides, it could be interesting. You're right. Okay, as long as I'm not responsible for how things turn out, I guess I can help. All right, then I'll tell you what you need to know. Okay. Ouvrez la section expédition. Vous pouvez désormais envoyer votre bateau de reconnaissance explorer les mâts extérieurs pour lancer ces expéditions. Appuyez sur envoyer. Sélectionnez la commande envoyer. Mare de Lemon. Niveau requis, ok. Ça va avec le niveau. Pour explorer les mâts extérieurs, puis ça peut me donner des matériaux, on dirait. Vous voulez... ouais. Une fois un périple lancé, l'écran affiche le temps avec le retour du bateau, ok. Bon, on apprend comment envoyer un bateau de reconnaissance pour cartographier le monde. Puisque c'est votre première fois, l'équipage va se surpasser pour pouvoir rentrer encore plus rapidement, plus vite. Scout ship setting sail. En 5 secondes, allez. Il est trop rapide. Voilà. Là, il monte de niveau. C'est fait. Ok. On a eu des matériaux. Lors de sa exploration, le bateau et son équipage mèneront 3 combats. L'expérience et les objets reçus dépendent du nombre de combats de victoires remportées. Bon, ils en ont perdu un. Sont nuls. Lors des explorations, l'équipage peut aussi découvrir des récompenses spéciales. Ça dit pas plus spéciaux. Je crois qu'on peut dire spécial en fait. Bref, comme des recettes, de nouvelles zones et des trésors. Certains trésors peuvent fournir des compétences d'exploration qui faciliteront les prochains voyages. Activer ces compétences peuvent par exemple augmenter les gains d'XP ou le nombre d'objets trouvés.
Ok, parfait. On peut encore l'envoyer en exploration. L'expédition est en cours. Expédition est en cours. Cette fois, le bateau reviendra à une vitesse normale. Profitez de ces expéditions pour obtenir des précieux avantages pour votre aventure principale. Ok. So now we just wait for news. Who knows what we'll find? A sunken ship full of treasure, maybe? Underwater ruins? Desert islands? New shipping lanes, perhaps. Some fish would be enough for me, especially if they sell well. My thoughts exactly! Tuna or yellowtail or sturgeon! Eux, ils rêvent de grosses explorations, tout ça. Puis nous, c'est juste du poisson. Voilà. Du poisson. Bref, on a appris comment faire une expédition. Bon, j'ai l'impression qu'on va apprendre encore beaucoup de trucs pendant l'aventure. Ok. Je vais voir un truc. Attends. Non, attends, je vais voir un truc. Je l'ai pas tout encore. Bon, ok, ça doit être plus tard. C'est où qu'on doit aller? Putain, la carte! Empruntez la route de pour rejoindre l'ogresse. Donc, empruntez la route pour rejoindre l'ogresse. Ok. Ça doit être dans le bateau qu'il faut qu'on aille. Donc, il faudrait qu'on aille à l'ogresse. Ou, non, on n'est pas dans l'ogresse, là. Salut. Souris est prête à partir. Ok. Vous voulez pas me parler, vous? Non. Ok, je vais me promener. Il m'explique pas comment... comment activer la suite. Ok. Non. Ça doit pas être là. Non, c'est... Il me bloque. Les petits fifous. Bon, je vais aller voir par là-bas. Je vais aller me promener un petit peu. J'ai pas vu ce coffre là. Oh, le petit coquin. Il s'est caché. Il s'est caché. Il y a rien. Oh, il y a ça. Miso spécial. Je sais pas c'est quoi, mais bon. Attends, je sais quel objectif c'est. Bon, il faut qu'on prenne le bateau pour aller à l'ogresse. Donc, je crois. Non. Non, parce que c'est pas en pleine mer. Donc, c'est des voies terrestres. Non, non, c'est en pleine mer, oui. Si on regarde la carte. Je crois. Ouais, c'est ça, c'est en pleine mer pour qu'on aille. Ok. Donc, il faut que j'utilise le bateau, je crois. Mais comment? Donc, je peux pas rentrer comme ça. Je vais m'assurer. Ok, merci. Le mec, là, il est totalement perdu, totalement largué. Il sait pas quoi faire. Ça me gratoune. Bon. Non, pas par là. Vous allez voir par là-bas. On va aller. Oh, par là, il y a une sortie, donc peut-être par là, on pourrait y aller. Sir, scouts have reported seeing a powerful demon. Its danger level has been classified as code red. Understood. I'll notify the Abbey we have a code red demon in our midst. Send out an emergency alert to the neighboring areas. Right! With wild demons this close to the capital, the Abbey must have had its hands full. Aizen, what did he mean by a code red demon? It's like a most wanted list for demons. From the latest I've heard, there's around 10 such demons across the territories. Oh, they sound pretty tough. That would be putting it lightly. Suffice it to say, you wouldn't want to face one unprepared. Then we'd best be prepared. Let's get going. While we're wasting time here, the Abbey is digging in.
Bon, pour trouver des démons classés code rouge par l'abbé dans tout le territoire, les démons code rouge sont particulièrement puissants. Ne les provoquez pas en combat que si vous êtes suffisamment préparé. Donc, c'est comme des sortes de petits boss, on pourrait dire. Bon, c'est comme ça que je comprends, qu'ils sont assez difficiles, tout ça. You said you heard about Ifrit on the prison island, right? I heard an exorcist legate named Melchior took him away. I don't know anything beyond that. Neither do I. What about you, Mogilu? Word is he was taken away about a year ago. Caused quite a stir, if I remember right. Everything about him was kept a tight secret. No one even knew what cell he was in. Ifrit is an ordinary human, right? Yeah. He doesn't have the abilities of an exorcist. And he isn't a demon either. Weird. I mean, if they were just trying to bust up his gang, why capture him but leave the crew free? If not his gang, what business does the Abbey have with him then? We've cast our nets wide and can't come up with any explanation. We'll free him though. His place is on the sea with us. And you're convinced he's still alive? They wouldn't have any problems killing a pirate who caused them trouble. If the Abbey took him alive and for questioning, it means he has something they really want. But he isn't the type to change his ways or bend his knee on anyone's orders. He holds his own tiller. Precisely. Ok. Donc, il croit qu'il est encore en vie, son chef. Sûrement, je pense. Je présume. Sinon, ça serait triste pour lui. Rencontre des combats. Si vous lancez un combat en attaquant un ennemi par derrière, vous déclenchez un combat avantageux. Donc, ça doit être un combat par surprise. Un petit peu comme... Il y a certains jeux, je sais que tu pouvais faire ça. Je crois, Papa Mario, tu pouvais faire ça. Quel jeu que tu peux faire des attaques surprises comme ça? Pardonnez-moi, j'ai un petit peu... oui, j'ai eu un rhume en plein été. C'est fou. Bref, il y avait Papa Mario qui pouvait faire des attaques surprises, mais il y en a d'autres aussi. Vous attaquez par derrière, c'est une attaque surprise. Il y en a d'autres, je crois. Je sais plus. Mais je sais, Papa Mario, c'est comme ça. Oh, purée. C'est... Non, sérieux. Bref, on s'en fout. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ah oui, Cass, Chain of Memory, c'est vrai, aussi. Mais c'est pas vraiment par derrière, mais bon. En exploration, toucher au moins deux ennemis à la fois, lancer une rencontre périlleuse. Le niveau des ennemis augmente, la restauration des PV est réduite. Ok, c'est un peu plus dangereux quand on touche au moins deux ennemis à la fois dans une rencontre périlleuse. Ok. Very well. Why did you come back to us? I could tell you all missed me something awful. We didn't. At all. And what about your search for this traitor? He slipped away yet again. I've no clue where he ran off to. You're a witch. Can't you use a spell or something? My spellcraft works kind of like a three-legged race. It simply requires my backstabbing slippery accomplice. Like a con artist needs an accomplice. I am not a con artist! I'm not going to help you find your traitor, you know. How cold! Such an icy stare could freeze fire! And you don't have anyone else? Hmm. Well, no. Do you have a home to return to? Nope. Do you know a trade other than magic? Nope. What is it, Lafayette? Mogilu's story made my chest feel funny. And my nose is runny. The witch has no friends, no home, and no purpose. I think what you're feeling is pity. Pity? It's when you feel sorrow for someone else. I pity Mogilu. Oh, come on! Oh, la fille a de la peine pour Mogilu parce qu'elle a pas d'amis, bref. Puis elle s'est juste utilisée de la magie. Vraiment, je vais te regarder pour mes DLC qui sont pas là. Ça me perturbe. Bref, là, on est vraiment dans une zone... Ah, ça, c'est vraiment plus beau. Vraiment une zone verdoyante, une zone... Une zone d'or. C'est rare. Je trouve qu'on était vraiment beaucoup plus dans le nord, dans le froid. Maintenant, on est vraiment dans...
dans des trucs beaucoup, mais beaucoup plus beaux. Bref, notre direction, c'est tout simplement par là-bas. C'est par là-bas. Donc, on va y aller. Là, on commence, j'ai l'impression, un petit peu plus l'exploration. Je pense qu'on va bientôt sortir des trucs tuto parce qu'on a encore appris beaucoup de trucs. Mais je sais vraiment pas. Il y a plus d'ennemis, c'est fou. Mais vraiment. Donc, situation favorable. On l'a attaqué dans le dos. Ok. Ok, quand on l'attaque. Oh, il utilise son ulti. Voilà. Ah, c'est cool. Bref, ok. Sur une forme avantageuse, on fait tout simplement, comment dire, on fait juste faire perdre la vie aux autres, à l'ennemi. Donc quand on est sur une situation favorable, donc c'est quand on a attaqué l'ennemi dans le dos. Puis c'est ça, comme là, situation favorable. Voilà, il y a moins de vie, c'est parfait. Puis on a plus d'âmes aussi, c'est cool. Too slow. Ah, elle fait comme Vanitas dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Too slow. Ou même Silver dans Sonic 2006, il me semble. Ah, il fait son ulti. Vraiment, c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Honnêtement, je kiffe leur ulti, sérieux. C'est... Il faut savoir que dans les autres combats, un petit peu comme Mortal Kombat, Street Fighter aussi, quand un perso fait leur attaque ulti, oh, je me suis fait attaquer dans le dos, puis on voit que j'ai moins d'âme, ok. J'adore quand les persos font des attaques comme ça. Merde. Ah, j'ai une situation risquée. Je me demande quand Magilou va rejoindre notre équipe, parce que je pense qu'elle va rejoindre notre équipe. Bon, ok. La situation risquée, on a moins d'âme, puis on a... On a moins de... Comment dire... pas moins de vie. Mais on est en train de se faire mal. C'est ça, on a moins de... Dans la zone. Mais arrêtez de me picorer. Mais là, oh là là. Je me fais picorer par des... Bon. Sort. Objet. Lui. Elle. Ça. Je peux pas parce que... Elle est stand. Elle est un petit peu... Arrêtez. On m'a soigné. Ouais, on se fait. Elle est bizarre. Je peux l'utiliser? Oui, ok. Ça, fiole de résurrection. Je peux pas? Ok, vous allez de pomme. Ah, ça, je peux par contre. Voilà. Allez, toi, tu me lances, s'il te plaît. Allez, the power! Parfait! Bon, ok. On a un peu galéré pour celle-là, donc... Ok, quand on a vraiment une situation dangereuse, il faut vraiment faire attention parce que... On a moins d'âme, moins de... Je sais pas si on a moins de vie, je penserais pas. Mais on a moins d'âme, donc... c'est un petit peu plus difficile à attaquer. Par exemple, quand on n'attaque pas par surprise, on a plus de trucs dans la zone d'âme, comme qu'on peut voir. Donc ça permet de... Ça va permettre de plus nous d'attaquer parce que sans os d'âme, on peut pas attaquer. Parfait. Mais c'est vrai. Bon, c'est quand même assez cool qu'on ait eu ça. Des attaques par surprise, tout ça, c'est vraiment cool. Allez, je suis en train de juste explorer un peu et ramasser les trucs là-bas. Non, il va m'attaquer par surprise, hein? Bon, voilà. Mais voilà. Allez. Oh, j'en ai moins de zones d'âme, mais pas grave. Allez, donc toi. Va-t'en. Allez. Parfait. Bon, ok. On galère pas trop cette fois-ci. Je crois.
éloigne toi. Bon, ouais, j'ai plus de... Ok, ma dose d'âme a quand même augmenté assez vite. Allez. J'ai l'habitude d'appuyer sur LT pour centrer la caméra, mais ça sert à rien, mais bon. C'est à cause des jeux... C'est à cause de beaucoup de jeux. C'est assez drôle. Mais bon. Là, on avance quand même. On se fait de l'XP. On est en pleine force d'XP. Non, attaque-moi pas. Voilà, pas. Vu qu'il m'a pas attaqué dans le dos, j'ai pas eu d'attaque risquée. Ça va. Parfait. Bon, c'est quand même cool comme nouveau système qu'on a eu. Le truc d'exploration, ça me fait vraiment penser à un truc dans Assassin's Creed Black Flag. Qui permet de... permet de faire ça, de placer nos assassins à certains points où c'est dans Assassin's Creed 3, je sais plus. Puis à certaines places, puis c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Bref. Voilà. On va ramasser ça. On l'a ramassé. Là-bas, il y en a. Tout. Prends ça. Voilà. Il y a un coffre que j'ai pas pris. Gilet de calcite. Ok. Je sais pas qu'est-ce qui fait le gilet de calcite. On va aller voir ça. Non, le gilet. Non. Je sais même pas c'est qui porte le gilet. C'est toi. Ça augmente toute sa magie, puis sa précision, bon, ça baisse. Et ça, c'est vraiment équilibré. Manque tout à part sa précision. Bon, je vais t'équiper ça. Toi, je vais t'équiper ça parce que ça te renforce. Ok. Bon, ok, Velvet, c'est la seule qui porte, qui ne porte pas de gilet. Voilà. C'est plus avantageux en fait de foncer direct quand ils nous voient. Je trouve. Bon, on est en pleine force de combat, donc c'est pas les moments les plus intéressants non plus. Allez. Parfait. C'est où là? Ok. Bon. J'aime bien le système de combat du jeu, mine de rien. Ça fait spécial, mais ça me fait beaucoup penser. Mais un peu moins, parce que c'est plus en mode action-aventure. Que FF13, mais ça fait beaucoup penser un petit peu à FF13. Bref, c'est sûr que ça vient pas de FF13 non plus, ce système de combat. Je vais voir la carte. Parce que je sais que les TGF sont tous comme ça à peu près. En tout cas, Symphonia, il était comme ça. Donc voilà, l'objectif, il est juste en bas, tout en bas de la carte. Wow, those walls, they're so huge. That's Logris, the capital of the Empire. They keep demons out by enclosing the city within a great wall. Humanity has achieved great things on the backs of slave Malakim. Why the surprise, Lafayette? You've been here before, right? I have. But back then, I was not who I am now. I see. Tethered Malakim aren't even allowed the freedom to observe their surroundings. We'll soon lose such freedom ourselves. Huh? We've reached the heart of the Empire, and of the Abbey. Soldiers and exorcists are stationed all around. This is no place for a collection of villains like us. I'm not looking for a place. All I need to find is Artorias. That's it. On est déjà rendu à la capitale. Bon, je sens que ça va pas déjà être la fin, qu'ils vont déjà tuer Artorias, c'est sûr. Et certain. Mais bon, allez, on va buter des serpents. Comme des serpents. Hop, on fait attention. Parfait. Allez. Voilà. Allez, on t'attaque par surprise. J'aime trop quand on les attaque par surprise, c'est vraiment cool. Puis en plus, ils attaquent. Ils prennent du temps avant d'attaquer quand.
Genre pour les attaques par surprise. Mais je sais pas comment changer les cibles. Je sais même pas s'ils l'ont. S'il nous l'a appris, bon. J'arrive plus à parler. Désolé, c'est normal. Rendu à quoi, 25 minutes d'épisode, c'est normal que je n'arrive plus à parler. Puis je bafouille. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un truc intéressant par là-bas? Bon, j'aurais dû reculer. Lève-toi. Arrêtez. Allez. Je vais m'éloigner. Je sais pas pourquoi je peux pas utiliser de fiole de restauration. Ah, c'est d'un allié. Ok. Pourquoi pas. Je viens d'apprendre ça. Bon. Oh, son ulti. Voilà. Il a dû avoir mal, le pauvre petit loup. Je crois que je peux le faire, mon ulti, moi aussi. Ah non, je sais pas. Je sais plus comment le faire. Je sais pas. Bref, j'ai pas réussi. J'ai pas envie de faire les combats, non. Éloignez-vous. Ah, je m'en vais. Ok, j'ai compris, je veux voir l'objectif. An inspection. They won't inspect everyone. Just act natural. Your face is all stiff. I know. You, in the black coat. Show me your documentation. Well? Your travel permit from the Abbey? Where is it? Foolish girl, how many times have I told you? A magician's apprentice must wear a pleasant grin. Magician? Verily! I present to you the traveling troupe of mischievous misfits known across the land as... Mogiloo's Menagerie! Entertainment for the ceremony? Why, yes, indeed we are, my dear. Please pardon my uncouth apprentice. Girl, allay the good man's fears and show him the dove trick you've spent all these weeks on. Go to! Huh? Oh, sorry, mistress. I forgot to prepare. You pathetic little shirker! A proper performer is perpetually prepared! It's fine. Doves flying around would be a nuisance. No, this will not do. If you cannot summon a dove, then act like one! Act like a dove! Cuckoo. Remember, Mogiloo's Menagerie manufactures mirth! That was just a small sample for the good citizenry of Logris. Hey, you can't advertise here! Move along! As you say! Wow, ok, Mogiloo nous a sauvés. Ok. That was a fine ploy, Mogiloo. Well, don't expect tricks like that every day. Cuckoo. Murderous gaze! Cuckoo! Those doves were amazing! Just a crude trick. If anything, it just shows the capital's defenses are pathetic. More like it shows how much confidence they have in those defenses. How many soldiers are here, Lafayette? The number of exorcists in the capital? At least 1,000. And 2 divisions of guards. I'd expect no less from the capital. They're not careless. They're covered. We need transit documents. See how the citizens smile? To think they were fleeing from demons just a few years ago. To hold an observance of this scale shows just how much peace their power has brought. A peace paid for with Luffy's... Velvet?
Velvet se souvient toujours de ce moment où son petit frère est mort. Donc, la fille, numéro 2, donc la fille, ne comprend pas trop pourquoi qu'elle pleure, puis elle a dit la fille. Puis, Maglou nous a encore sauvés. Est rentré. Ok, notre expédition est rentrée. En plus, il nous avertit, donc c'est vraiment cool. Bon, donc, on va les voir. Voilà. On a perdu un combat. On a gagné un combat. On a eu de la sauce soya. Donc, on a une nouvelle recette. C'est cool. On va refaire un petit voyage. Allez. Pourquoi pas. Bon, on a des trucs. Des dialogues interactifs. Mais en quelque sorte, j'appelle ça comme ça, mais c'est pas ça précisément. The Abbey's job is getting harder and harder. We've all got to give them our full support. Let's backtrack a bit. Just what sort of organization is this, Abbey? You're kidding me. How do you not even know that? The Abbey is part of Midgan's Church of the Empyreans. Originally, it was an order of paladins and warrior priests devoted to exorcising evil. Yeah. The Abbey's official name is the Exorcist Abbey of the Church of Midgand. Nowadays, its members are all called exorcists. I'm impressed. You've done your research. So basically, they're just one branch of the church, right? For a side branch, they don't really strike me as humble. Of course not. The High Priest entrusted all his power to the Abbey's leader, Lord Artorias. He's effectively retired. So the Abbey's leader is at the top of the entire church. That's not all. The Prince also gave Lord Artorias authority over all military and government affairs during the crisis. Lord Artorias commands Midgan now, and has formed a new theocracy to combat the Demon Blight. And that is the origin of the Holy Midgand Empire. The Abbey is its foundation, and its ray of hope. Wow, okay, got it. The Abbey's a big deal. Bon, ok. Donc, l'abbé, en fait, l'abbé, c'est juste une branche de l'église, si je comprends bien. Donc, puis qui dirige un peu tout le pays, en quelque sorte. Right now, Prince Percival is the one ruling Midgand. He's the Crown Prince. The Crown Prince? What happened to the King? The King is in good health, but he's decided to withdraw from public life and leave the kingdom to Prince Percival. He declared that a new way of thinking was needed to save the world from this crisis. This King sounds like quite the guy. Prince Percival is incredible too. He's following in the footsteps of the King by working hand in hand with Lord Artorias in the Abbey. As long as we have Lord Artorias and Prince Percival, the future of Midgand is bright. Ask anyone. Got it. So all of Midgand is on Artorias' side. Bon, ouais, c'est ça que je voulais dire. On dirait que toute Midgand, idéalise un peu Artorias. Donc, surtout derrière lui, il adore, il le kiffe, quoi. Puis, on est rendu à un point de sauvegarde. Donc, on va sûrement s'arrêter là, je pense. Ça fait déjà une demi-heure. On voit des gardes, en plus. Bref, merci mon téléphone d'avoir fait une notif. Bref, on va s'arrêter là. En espérant que cet épisode vous ait plu. On est rendu à la capitale, donc à l'Ogresse. Donc, est-ce qu'on va voir Artorias bientôt? Si vous vous rappelez, les décors, ça me fait beaucoup penser à la cinématique, à l'opening, si vous avez vu. Voilà. Est-ce qu'on va voir... ça doit être le palais là-bas d'Artorias, du prince Perceval. C'est comme Pimpin, c'est Tristepin. Wow, comme la Wakfu. Non, mais bref. Voilà, donc, est-ce qu'on va voir Artorias la prochaine fois? Le prince, qui sait? Voilà. Mais Maglou nous a sauvés pour rentrer dans la ville, je la remercie. Même si c'est quand même une gogole, une guenisse, je sais pas comment dire. Bref, voilà. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
pour rester au courant des prochains lives, actualités, partages, tout ça, n'hésitez pas à commenter pour des trucs, des astuces, ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode de Tales of Berseria. En attendant, moi, je vous dis portez-vous bien, amusez-vous bien, et bye tout le monde. Allez, bye bye.